Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous avez pu le voir, il me manque un bras pour cette vidéo. Donc je suis allée mercredi dernier faire un petit tour aux urgences. Mais viteuf, 3 heures, hein, c'est vraiment viteuf. Je vous raconte tout ça. Alors mercredi dernier du coup, avant que j'aille aux urgences, je suis allée à l'équitation. D'ailleurs j'ai monté en ville et c'était super cool, on a fait dressage. Et en fait on a fait carrousel, donc botte à botte, c'est deux chevaux à côté qui font des figures de manège. Et ça s'est super bien passé et tout et tout. D'ailleurs mon chouchou, c'est mon partenaire de concours, c'est Ruffian. D'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus à ce propos, mes premiers concours. Je pense que j'aurai le temps, hein, 3 semaines. Donc, après mon cours d'équitation, c'est là que venu le drame. C'est une blague. Donc, on a fait dressage, ça s'est super bien passé. On a préparé les figures de carrousel. Parce qu'on va peut-être préparer, si on n'est pas confiné, un spectacle de fin d'année. Donc ça s'est vraiment, vraiment, comme je leur dis, super bien passé. Et parfois, après le cours, j'aime bien rester pour emmener les chevaux au marcheur ou les rentrer au pré. Et là, il y en avait qui avaient besoin d'être montés. Je suis donc allée chercher Hello pour le préparer. J'ai donc pris ce magnifique cheval et nous sommes partis galoper sur la plage de sable chaud. Le vent faisait s'envoler nos crinières. Nous ne faisons qu'un. Et c'était super bien. Oh pardon. Donc je reviens à la réalité. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. J'ai donc pris Hello. C'est ce petit machin-là qui m'a fichu par terre avec quelques coups de rodéo. Parce qu'il a vraiment tourné sur lui-même. Je crois qu'il l'a rué aussi. Enfin, il est parti à fond au galop. Mais enfin, j'ai pas vu parce que j'étais dessus. Mais d'après moi, ça a vraiment secoué de partout. Et bah, il m'a désarçonné quoi. Et bah, la fois t'as pas de chance, je suis tombée. Je suis pas bien tombée quoi. Viens, je vais pas te taper, viens. Viens. C'est dommage, t'aurais pu avoir une belle vie. Comme le dirait une youtubeuse que j'adore, plus c'est petit, plus c'est. À vous de compléter dans les commentaires. Dantwizim, si tu passes par là, tu avais raison. J'en profite donc pour vous montrer cette très courte vidéo d'avant ma chute fatale. Voilà, je voulais vous faire une vidéo sur mes cours d'équitation, enfin un de mes cours d'équitation et ce que je faisais au club, mais on va attendre. Hein. La prochaine fois, je pense vous faire une vidéo sur comment faire des bonbons pour chevaux et hamsters. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Vous me suivez aussi sur Instagram, je vais faire un concours pour gagner un tapis artisanale taille poney. Alors n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à mettre un petit pouce vers le haut parce que en bas ça sert pas à grand chose. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.